Ce ne sont pas là des vagabonds, ce ne sont pas des clochards. Ils dorment, tout simplement. Ils attendent qu'on leur donne du travail. Allez à Delhi dans l'Ontario, ont-ils entendu dire. Il y a de l'argent à gagner. Alors ils sont venus et ils attendent de décrocher un emploi dans une ferme. Ce pays où ils sont venus, c'est le comté de Norfolk, qui s'étend au nord du lac Erie. Là, il y a 100 ans, arrivèrent les premiers colons, mais le sol était si aride que la plupart d'entre eux abandonnèrent. Un sol fait surtout de sable, un sol mauvais pour les céréales, mauvais pour les pâturages. Pourtant, cette propriété même qui le rend inapte aux cultures ordinaires le désigne idéalement pour une plante curieuse, le tabac. Au centre de cette région, une ville, Delhi. 10 mois de l'année, tranquille, prospère, dévote, 3500 habitants paisibles. Et puis brusquement, au début d'août, changement. C'est l'afflux des saisonniers. Ce sont pour la plupart de naïfs jeunes gens qui espèrent trouver de hauts et faciles salaires dans les fermes. Employment office. Yes, ma'am. Ils viennent s'inscrire au bureau d'embauche. Ils arrivent souvent de loin, du sud des États-Unis, des provinces maritimes, du Québec. Ce qu'ils réclament, du travail. Certains ont l'expérience du tabac et reviennent, année après année. D'autres n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. Mais les producteurs les engagent quand même, tant est grand le besoin de main-d'œuvre. Avant la récolte comme avant l'orage, c'est une quiétude artificielle qui règne. Le samedi soir, les Belges tirent à l'arc et rivalisent d'adresse dans leur sport national. Les premiers qui se sont risqués, il y a 30 ans, à planter du tabac dans ce coin, ce sont des Belges. Beaucoup ont fait fortune. Pourtant, le tabac est une culture très incertaine au Canada. Dimanche après-midi, un pique-nique dans les bois, organisé par les Hongrois. Les cultivateurs de la région sont surtout originaires de Belgique, de Hongrie, d'Allemagne et de Yougoslavie. En ville, les nouveaux venus traînent ça et là. Tous les jours, sans visage nouveau. Ils attendent du travail. On s'offre une dernière tournée avant la bataille. Les anciens ressassent de vieilles anecdotes. Ce qui revient surtout, ce sont les histoires de costauds qui n'ont pas pu résister et qui ont tourné de l'œil dès le premier jour. Car si le tabac est la culture la plus riche de l'Ontario, elle en est aussi la plus terrible, et chacun le sait. On plante le tabac avec des machines, on peut le cultiver avec des machines. Mais quand il s'agit de le récolter, il faut courber l'échine, se baisser jusqu'à terre
et le ramasser. Car personne n'a encore inventé des machines à cueillir le tabac. Il faut le cueillir feuille par feuille dès qu'elles arrivent à maturité. Les journaliers travaillent par équipe de 6 hommes. Courbés dans les rangs, ils avancent de front et ne se relèvent que pour remplir les caisses. Le tabac brut est matière très pesante. La tige, juteuse, est épaisse comme un pouce d'homme. Un caisson plein pèse un quart de tonne. Un caisson rempli est, sans perdre de temps, remplacé immédiatement par un autre, car le secret de l'opération est la rapidité. On ne peut pas attendre une fois que les feuilles mûres ont été cueillies. Les caissons sont aussitôt déversés sur la table de tri. Chaque équipe doit confectionner 1250 bottes de tabac par jour. Les trieurs auront donc tressé 20 000 nœuds avant le coucher du soleil. Les séchoirs à tabac, que l'on appelle les fours, doivent être bourrés à plein tous les jours. Cette opération est très délicate. La plupart des hommes qui s'occupent des séchoirs viennent du sud des États-Unis. Ils ont charge de veiller à l'alimentation continue du four, dont la température doit s'élever graduellement pendant 5 jours. Le tabac doit passer du vert au doré. À la moindre erreur, une fournée de 1 500 $ de tabac est perdue. Aussi, trouver la main-d'œuvre nécessaire reste le problème essentiel. Autrefois, il ne manquait pas d'hommes qui cherchaient à louer leurs services pour la cueillette du tabac. Ces temps heureux tirent à leur fin au Canada. Elle est finie, l'époque des saisonniers itinérants en quête de travail. Il y avait jadis peu d'emplois, beaucoup de bras. Aujourd'hui, il s'agit de pouvoir trouver ces bras et de pouvoir les retenir. La meilleure façon n'est-elle pas de préparer une bonne table et de rendre les gens heureux? $80 millions de tabac qui dorment là dehors. Toute la fortune des producteurs. Il faut absolument cueillir cette récolte à temps. Parmi les 186 coups de téléphone reçus dans la journée d'hier, celui d'une femme dont un des ouvriers est tombé malade et 2 autres ont démissionné. Il ne lui reste plus que 2 hommes dans les champs pour ramasser la matière à remplir le four. Elle ne peut venir en ville essayer de trouver des remplaçants parce qu'il faut qu'elle aide ses hommes, sinon tout son tabac sera perdu. D'ailleurs, ceux qui pourraient être disponibles pour la récolte du tabac préfèrent s'embaucher à aussi bon compte dans les villes, la construction ou autres travaux de cette nature. Par ici, personne cette année ne s'est encore montré. Les ouvriers exigent 3 repas, un endroit pour dormir et $14 par jour. Dès que la récolte commence, on est pris dans un engrenage et l'on ne peut plus s'arrêter.
Les premiers jours sont les pires. Les doigts sont écorchés à vif et les poignets enflent terriblement. Ce sont surtout les femmes qui font le tri. Le travail est si dur qu'elles touchent le même salaire que les hommes dans les champs. Pour les hommes également, les premiers jours sont les plus pénibles. Ils disent qu'une fois baissés, ils doivent garder cette position jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas se relever, car le dos ne supporte pas cette gymnastique. Le rythme ne faiblit à aucun instant. La femme du propriétaire est surchargée de besogne. Elle prend son tour à la table du tri, comme tout le monde, mais elle doit préparer en outre les trois repas plantureux pour les hommes. Ce n'est pas chose facile. Certains ouvriers exigent jusqu'à 8 œufs au plat pour le petit déjeuner. On ne souffrirait pas tant du travail physique si ce n'était en plus de la température accablante. La récolte coïncide avec les plus fortes chaleurs de l'année. Travailler en plein air n'est pas désagréable, mais enfoncé dans les rangs de tabac, c'est la mort. On y suffoque. Il y fait plus de 100 degrés Fahrenheit, mais personne ne se relâche. D'habitude, quand un homme défaille, ce n'est pas tellement à cause du travail qu'à cause de l'eau qu'il a trop bu. Les ouvriers sont tiraillés par une soif épouvantable au fond des rangées. Il leur faut absolument éviter de boire, sinon, ce sont les crampes douloureuses tout le long du corps et le mal d'estomac. Si un gars s'effondre, on ne lui en veut pas, mais on est un de moins pour le même travail. Plusieurs renoncent durant les premiers jours. Si on peut tenir la première semaine, la partie est gagnée. L'habitude fait le reste. Depuis combien d'années cueillez-vous le tabac, Joe?
C'est ma deuxième année. Votre deuxième année? Oui. Et cette première année, comment c'était? C'était dur, on n'avait pas l'habitude du travail. Alors pourquoi venir cueillir le tabac? Pour avoir plus d'argent, naturellement. En ville, je ne peux pas faire d'économie. Je vais acheter une nouvelle auto. Peut-être une auto neuve, je ne sais pas. Avec quelle somme partez-vous d'ici? Je ne comprends pas. Je veux dire, combien d'argent avez-vous gagné en fin de saison? Autour de 500 dollars. Et qu'est-ce que vous ressentez chaque matin en allant au champ dans la brume? Oh, difficile à dire. J'ai envie de ficher le camp tous les matins. D'où venez-vous? Je suis de Winston-Salem, en Caroline du Nord. Et comment vous entendez-vous avec vos coéquipiers? C'est surprenant. Quand je suis arrivé, j'ai cru que ce serait difficile de m'adapter. D'abord, je ne comprenais personne le premier soir, ou presque personne. Alors j'ai pensé que ce serait difficile de travailler ici avec eux, mais je les ai trouvés ensuite très aimables. Ils m'ont très bien traité à tout point de vue, peut-être même mieux que dans mon propre pays. Depuis combien d'années faites-vous la cueillette du tabac? Environ 12 ans. C'est pas trop dur? Non, monsieur, j'aime la cueillette du tabac. Pourquoi? On s'évade de son métier habituel, ça repose. Vous trouvez que ça repose? Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la cueillette? Les feuilles basses. Menteur. Comment vous sentez-vous à la fin de la journée? Pas fatigué. J'aime aller à la chasse quand j'ai fini. Si je trouve un fusil dans un coin. À quelle heure vous levez-vous? Faut être à 6h30 sur place. La plupart des équipes couchent dans des granges. Parfois, deux équipes se réunissent pour passer un moment ensemble. Mais la soirée est courte. On éteint les lumières à 11h, car le lever se fait avec le soleil. C'est à croire que le sol de cette région a été créé pour le tabac. Une marne molle, sablonneuse, qui s'échauffe vite dans la journée et qui se refroidit aussi rapidement dans la nuit. Le matin, les champs sont noyés de brume. Les ouvriers, trempés d'humidité, ont les doigts engourdis par le froid, par les feuilles mouillées. Même quand une matinée semble belle, il faut porter des imperméables, des cirés dans lesquels on transpire à grosses gouttes dès que le soleil monte. Désagréable pour les hommes, cette heureuse combinaison de chaleur, de froid et d'humidité favorise la croissance du tabac. Lorsque les conditions sont bonnes, la plante s'épanouit tellement qu'elle donne naissance à des surgeons appelés rejetons. Il faut les arracher pour que la feuille profite au maximum de la sève. Une équipe spéciale est chargée de cette opération. La culture du tabac est une entreprise incertaine qui a ruiné plus d'un cultivateur. En effet, le cultivateur doit trouver la main-d'œuvre nécessaire, faire face à d'énormes investissements et en même temps vivre sous la menace de la grêle et du gel qui détruisent le tabac. Steve Kopritch est cultivateur ici depuis 20 ans. Il estime qu'il n'a jamais eu une année aussi bonne pour son tabac. Pour lui, comme pour les autres, la main-d'œuvre a toujours été un grave problème dans ce pays.
Deux fermiers d'ici ont engagé une équipe pour l'émondage des mauvaises feuilles, des surgeons. Les hommes n'ont travaillé qu'une demi-journée, puis ils ont disparu sans même demander leur dû. Ils n'avaient pas aimé le boulot. Il nous a dit, j'ai 47 acres à émonder. Faut que tout soit fini aujourd'hui. Je lui ai dit, je veux bien commencer ce matin, mais comment elle travaille sur vos terres? Comment sont les surgeons? Il me répond, deux ou trois surgeons sur le haut de la plante. Eh bien, quand nous sommes allés dans son champ, c'était pas vrai ce qu'il avait dit. Trois surgeons seulement par plant? Dans ce champ-là, les gars, c'était les surgeons sur le haut seulement ou bien de la tête aux pieds? Et qu'est-ce qu'il offrait pour ce champ? 26 $ par acre. J'en ai réclamé 35. Il a refusé. Quand j'ai eu fini avec ce type, un autre cultivateur m'a proposé 5 $ par rangée. Non, 3 $ par rangée. Est-ce que c'était suffisant? Même 5 $ par rangée qu'il a voulu me donner après. Non. Les rangées ont 650 pieds. 650 plants de tabac sur chaque rangée. Et des surgeons de la tête aux pieds qui n'ont jamais été touchés. De mes hommes, jusqu'à présent, on ne s'est jamais plaint. Notre travail a toujours donné satisfaction. Est-ce que ce n'est pas vrai, monsieur? Non. On ne s'est jamais plaint de leur travail. Mais le fonctionnaire du bureau d'emploi croit difficilement qu'un cultivateur puisse se permettre de payer 5 $ pour une rangée moyenne, même si les surgeons sont nombreux. Car malheureusement, on ne vend que le tabac ramassé et non les rejetons. Mais cela ne convainc pas les hommes. La plupart d'entre eux sont fiers de leur métier. Dans l'ensemble, il n'y a pas de mauvais esprit parmi eux, comme il s'en est glissé autrefois. On veut travailler dur, gagner son argent, s'en aller. On peut dire que chaque catégorie a des problèmes cette année. Les cultivateurs comme les ouvriers. La récolte dure 6 semaines, sans un jour de repos. Le moindre orage provoque des inquiétudes. Le tabac a besoin de beaucoup d'humidité, mais si une averse peut faire le bonheur d'un producteur, elle peut aussi en ruiner un autre à 1 mile de là. Au dire des plus expérimentés, la grêle est la catastrophe la plus destructive et la plus ruineuse de l'agriculture. On entreprend la culture du tabac avec la seule alternative de s'enrichir ou d'être ruiné. Hier, ce cultivateur a perdu entre 7 et 8 000 $ en 2 minutes. Sans la grêle, ce tabac détruit était la crème de sa récolte. Des plants comme ceux-ci donnent des tabacs de premier choix pour cigarettes et pour pipes. Il n'y a plus rien à en tirer. C'est totalement irrécupérable. C'est sa 7e récolte. Il en a eu 7 comme ça. Il se considère tout de même comme privilégié, car il n'a pas été complètement ruiné. Il n'a subi qu'une perte partielle. Il en prend son parti. Il n'y a rien d'autre à faire, bien sûr, contre le mauvais sort, dès que l'on a fait ce que l'on pouvait faire. Malgré les aléas du métier, sans relâche, le travail continue.
Les malchances font partie du jeu. Il faut que toute la cueillette soit faite avant les premières gelées. Quand on a travaillé dur après une grosse journée, on a l'impression d'avoir bien mérité ça, le droit de s'asseoir et de se détendre. Après une grosse journée, c'est une sensation agréable. Qu'est-ce que vous faites quand la récolte est finie? Pour aller dans un salon de beauté, y rester toute la journée. Se laisser pomponner, se détendre. Après la récolte, la plupart d'entre nous, nous faisons ça. Se laisser aller dans un salon de beauté, coiffure, friction, ongles. Penser à rien, qu'à se détendre. J'ai travaillé toute la journée. Puis je suis allé voir le patron pour lui dire que je m'en allais. J'ai dit, j'ai bien travaillé chez vous, mais les repas ne me satisfont pas. C'est pas que je veux des steaks ou des choses comme ça, mais un repas décent quand j'ai fini. Je veux démissionner, ils peuvent pas me retenir de force. Qu'est-ce qui fait un bon ouvrier du tabac? Un bon dos solide. Un bon dos solide. Rien que ça. Oui, c'est tout, pour pouvoir se baisser et avancer. C'est le secret. Se baisser et avancer.